procurez-vous, soyez déjà prêts, parce que Jésus de Néons arrive pour bientôt en France et le concert sera un très grand show. Batouba, vous allez vraiment émerveiller. C'est moi, l'orchestre de Firigo là va voyager pour la France. Donc tout est bien, tout est planifié et le concert prévu pour le 20 et le 21 à niveau Adidas Arena sera au rendez-vous. On devra faire le Congo, bah on ne peut jamais visa parce que le contrat, l'accord avec la salle existe. Les billets sont vendus en France, les t-shirts sont vendus en France. Alors pour quelle raison l'ambassade ou bien Schengen et Robo la fait rigoler à babiller. Donc ils en ont. Il y a des gens qui disent que non, Ferrego là, il a demandé 2 500 $ dans ma croix de cœur, premier maman à Porto. Non, ça en tout cas, on a eu qui a monté. 2 500 $, parce que les gars, ils ont un visa, donc je crois que Ferrego là, c'est un grand leader. Il a tout un bureau. S'il veut, en tout cas, ramener les chroniqueurs de Kinshasa vers la France, il va les faire. En un clin d'œil, ça là, ce n'est pas à nous de l'obliger et d'en parler à tout moment qu'il faut maintenant qu'il n'y ait pas poto. Non. Il y a un temps pour toute chose. La patience aussi est payée. D'abord, quand on est au tout, il est peut-être que ça m'a quitté pour moi, mais on a poto. Ce n'est pas ça l'idéal. Travailler dans le silence, rester focus, rester calme. C'est faire et faire ramener les journalistes à la concert Adidas Arena. Il va sélectionner quelques-uns. Parce qu'il y a aussi plusieurs productions. N'oublie pas qu'il y a moins de jeunes habitants à Genève Arena. C'est encore après quelques mois. Et peut-être aussi dans le mois de décembre, il devrait aussi jouer un grand stade en Europe. Vous comprenez? Donc, la production est belle, le chroniqueur est à la calme. Va perdre le contrôle. Ce qui a mis à Kei Otikali, continuer le travail. Donc, il y a un peu pour avoir visa. Apparemment, ma chroniqueur a vu son travail avant de ma visa. Parce que, on va lui faire rigoler ça comme Fali, ou pas? Non, non, c'est impossible. Fali a sa manière de voir les choses. Fali l'a fait avec plusieurs personnes, mais au moins après, ça lui a coûté son honneur. Tu vas finir, tu vas diminuer, et tout ça aussi, pas bien. Donc, Fer peut aussi le faire, mais à sa manière. Il peut choisir 4, 5, 6, c'est bon. 2, 3, qui sont polis, qui sont stables, qui sont calmes. On ne peut pas ramasser tout le monde aussi. Parce que demain, ça risque encore de retourner contre vous-même. Parce que le Congolais a un peu compliqué. Trop bon, trop couillon. Et on peut vous aider comme ça après. Comme si j'ai des insultes comme ça, Ferré Azamouto est trop réservé. Il est tellement timide, mais il est professionnel. Il est calme, il aime les gens de loin, il considère les gens. Donc, tout ce qui a fait rigolo, c'est que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez l'impression qu'il faut chroniquer avec les caca. Oui, la pression, c'est ça, en ces moments ici. Oui, comme il aura la pression. Tant que ça qui contient Adidas, c'est que il faut même sur chroniqueur. Bah ça qui fait rigoler et son groupe. Okay. On comprend. Bah ça qui fait rigoler et son groupe plus les chroniqueurs. Non. Bah ça est pression. Si fallait la faire, ça style il fallait aussi la bande, la petite bandale, la bango. Mais je vous dis qu'il y aura un moment fait rigoler. Va choisir ses, en fait ses vrais petits. Oh bah ok poto. Parce qu'apparemment, il y a un intérêt, il y a un profit. Ça... Bah, ça, ma cambo, nambongo. Donc, Ferré est bien organisé. Et il travaille bien. Le Lozomona aura Ferré tellement l'icolo. Depuis Anosa, Adidas Arena, jusqu'à ce jour, Ferré a bloqué l'actualité. Malgré départ en Bassi, malgré ma émission, ma musicien, malgré ma clash, ma musicien et porte-parole. Ferré demeure intact. Encore ma boutique et consort, t-shirt encore ma sombeya. Tout ça personnalisé Ferré Gola. Donc vous comprenez que Maramesa est tellement bien organisé et les gens veulent maintenant distraire les Gaulois. Moi je conseillerais dans ma Gaulois à la focus. Bien contrôlé, bas à l'impé à l'aise, bas accompagné Ferré Gola. Jusqu'à l'heure arrivée à Paris. Donc, ma rumeur au Batoubazo partagé. Ma spéculation au Batoubazo. À travers les réseaux sociaux, je crois que ils ont ma canicine à Bangomoko. Au bureau, ils s'allient, ils ont tout un travail bien coordonné. Déjà, il faut qu'on se le dise parce que selon les mouvements, j'ai entendu que Ferré a obtenu plus de 80 visas. C'est à peu près 100, au fait. Selon les dires, il y a Cathy. Donc, vous serez surpris.
parce que Ferré a opté quand même un style de jeu à silence. Il est plus silencieux, il est réservé, mais il est en train de travailler durement. Vous voyez ? Donc les gens critiquent, les gens parlent, alors que Bazoué Baté, là où les choses sont arrivées aujourd'hui, Ferré est tellement serein, il est calme, il est concentré, il est dans la joie. T'as la Ferré, Mikolo, parce que tout, il ne fait que sourire. Il est très à l'aise, donc topé sa chance. Chez Djonga, restaurant spécialités africaines à la portée de tous. Un cadre attrayant vous accueille 7 jours sur 7. Au numéro 2, rue François Villon, 94 230, à Cachan, en pleine région parisienne. RRB, station Arcueil-Cachan. Pour déguster des mets délicieux, choix à la carte, Ntaba, Cabri, Brochette, Kamundele, Ngoulou, Madesu, Losonapundu, du poisson, du poulet mayo, Makayabu, Bitekuteku et j'en passe. Rendez-vous chez Djonga dans une ambiance musicale modèle Yambo Kanabiso. Chez Djonga, venez, venez, vous allez vivre du vrai. Chez Djonga, votre restaurant vous propose de vendre des plats divers à consommer sur place ou à emporter. Oyo Sukanama Solo. Commandez au 09 82 63 82 85, numéro fixe. Ou au 06 35 47 51 81, numéro WhatsApp. Votre restaurant chez Djonga. Pleine région parisienne. Chez Chiquito Papa Paradis. Au numéro 10 de la rue Pierre et Marie Curie, 77 380 à Comble-la-Ville. Ici c'est la compétence. Ici. Donc, on laisse aux médias. Toujours. Pour la dégustation de mets variés, saveurs africaines, un seul endroit. Venez déguster de grillades, du poisson, ntaba, brochette, ngoula. Tout ça, modèle Yambo Kanabiso, chez Chiquito. Au restaurant Paradis Secret, le secret du paradis. Avec accompagnement de manioc, chikwang, banane plantain, du riz, etc., etc. Notez bien l'adresse au numéro 10, rue Pierre et Marie Curie, 77 380, Comble-la-Ville. Réservé pour tous vos événements, en toute intimité et convivialité. Venez chez Chiquito. Anniversaire, baptême, surprise partie et autres occasions festives. Rendez-vous chez Chiquito, au secret du paradis ou paradis secret. Votre réservation au 09 50 01 85 90 ou au 06 52 81 93 93. Restaurant paradis secret chez Chiquito Papa Paradis. C'est vraiment paradisiaque. Bienvenue, bienvenue dans Elenga Congo Télévision. Un grand merci Nabino Babouné, Nabino Fidèle et Ozanawana pour la mélodie de la presse, Nabino toujours à votre service. En tout cas, très heureuse de vous revoir sur vos postes téléviseurs, dans ma téléphone, Nabino, en tout cas, dans ma téléphone, représenter Bino émission Lelo. En tout cas, émission Lelo. Jérémy Louemba. Nous allons un peu débattre de quelques sujets, sujets ébellés, d'actualité, où il s'est passé. Et on a Jérémy Louemba, en tout cas, je dirais un grand merci à toi, Tressim Belenga Pro, hein, pour la confiance. Et pourquoi pas dire un grand merci à toi, docteur Fidèle et papa de Son, hein, depuis Brazzaville. Je te salue là où tu es. Jérémy Louemba, sans plus tarder, bonjour, hein, beauté. Beauté, mélodie de la presse, merci beaucoup. Bonne santé, ça fait un bail. Hein? Oh, les gars. Nous sommes là malgré la chaleur, donc température a tellement élevée. Et je crois que il est important le loba congolais. Tout le monde le système est replanté vraiment banzété dans ma quartier, dans ma pangou, dans ma balabala, parce que là nous sommes en train de souffrir. Chaleur est à ma kasimingi. Malgré la chaleur, quand même la tête est déjà bien faite pour développer quelques sujets. On n'a pas de choix. J'ai remis le bateau dans le sujet.
Tobique, ça fait buzz, ça fait parler les internautes. On a vu Ambazi Bourgeois. Il a fait 14 ans à être victime, mais Lelo Azasuna est victime. Tu es un groupe d'accompagnement cher à Fali Poupa. Mais tu peux dire quoi par rapport à ces sujets? Voilà, merci pour la question, Mélodie. Je crois que Ambassi Bourgeois est un ami, est un camarade que je connais depuis longtemps. Bonne chance à lui d'abord. Et deuxièmement, je crois qu'il a fait au moins 14 années hein, auprès des Fali. Bon, 14 ans, est-ce que sur le plan artistique, s'il faudrait faire un bilan, est-ce qu'il a réussi? Je crois qu'il y a beaucoup à dire. Parce que Bayaka a un orchestre pour apprendre, améliorer aussi, pour travailler comme il faut. Mais Ambassi, si on l'a bien, il a 14 années passées chez Fali Poupa, au moins à Sali, deux vocaux solo. Des vocaux et puis une chanson, mais donc je crois que son bilan est négatif. Il a raison de changer de direction parce que Aroya était l'orchestre Moroboye pendant 14 ans. Azala considère le rôle à garde du corps. Aux hommes, on a les propriétés. Bon, on va rappeler dans Royemba. Bayemba, Batouba, comprendre, talent là, à se vendre, et c'est comme ça, donc voilà. Et déjà, Fali pas dans le système de Genaï. Ce n'est pas un orchestre, mais c'est plutôt un groupe d'accompagnement. C'est-à-dire que vous n'êtes pas considéré comme ses propres poulets. Moi, maman, c'est à vous, avec Sarasso, avec Sibino, Bosangani, ceux qui ont production, il y a événement, vous jouez ensemble, et voilà. Donc, Ambassi, courage à lui, mais est-ce que il a la compétence de bien gérer sa carrière en solo? C'est ça aussi le problème. Est-ce que déjà Yemba c'est plus sa fan? Est-ce qu'il a des belles chansons? Azaba texte à bien? Est-ce que Azaba a créé ma mélodie à Sika? Est-ce que Ambassi peut nous surprendre? Tout ça à point de vie à Moutouté. Mais je pense que Zegar a encore beaucoup à apprendre. Alors, comment s'est décidé à tracer chemin à Yé? C'est qu'il est bien rassuré. Il se sent capable, dans le sens que à cause d'un bureau, à cause d'une équipe mobile de soutien, Obalimba va faire booster. Je me rappelle avec Robin, c'était aussi le cas. Hein. Robin a 5 ans, na vocal moko. Mais tant qu'à tient esprit, c'est ben, à Betty Namboka et accroché. Mais Ambassi a un chanteur entre guillemets. Na reclassé le roi rumbiste. Est-ce que Rumba ou Ambassadeur ou Beta et ou Simba? Donc voilà, ce que Monique a envie de sa carrière, je pense qu'il doit encore s'y ressourcer, surtout plus sur Fayouka. Parce que l'orchestre est un outil, philosophie et travail pénézaté. Si on a une répétition, il fallait au moins que l'on ait trop de Koyemba. C'est plus la danse que la chanson. Soit c'est lui-même Fali qui chante. Je dirais compter. Bah besoin d'avoir 8 minutes au saliment vocal ainsi de suite. Niveau de travail est un peu faible. Donc maintenant challenge est changé. Vous comprenez? Le challenge a changé. D'éviter c'est des contextes. Nenga s'est retiré. Maintenant, on doit se demander, Ambassi, il n'aurait pas fallu pourquoi? Parce qu'au mois de juillet, je crois, il fallait à deux concerts à jouer, n'est-ce pas, c'est européen. La France, la Bordeaux et puis la Lyon, je crois. Ambassi, il a dit qu'il fallait un stade de France en 2025. À tel avantage, on a tout. À Tiango, à l'écart. Là, honneur, il y a carrière à mettre à l'écart. À tel jusqu'au vin et moro professionnel. Ça dit beaucoup. Oui, n'a pas sauté. Le même, il a fait une émission précédente. À Toro, tout le monde, Ambassi, tu penses quoi? Roland, quand il n'a pas fallu pour pas, il a dit que non, Nazanalou, parce qu'il me reste deux grands stades des martyrs en bêta. Il me reste encore stade de France. Et il y a des concerts en bêta à Lyon, à Bordeaux. Voilà. Ouais. Mais en notre grande surprise, on a vu Ambassi à Tikan. Mais justement, il faut se demander comment. Moto a voyagé à la facilité. On a deux productions au niveau Lyon-Bordeaux et puis 2025. L'événement que tous les Congolais veulent voir aujourd'hui à stade de France, il a fallu. Mais à Jubilo, on a tout à tirer de côté. Il a eu le temps de réfléchir.
Et Lolo, Ambassi a s'écarté. Tu vois, quand les gens viennent pour les critiquer, Ambassi a embarraté, Kakobine, ainsi de suite, Ayo Kaka, Azamoutou. Il réfléchit aussi. Trop de critiques, que Bazoué m'a moins, Bazoubine est belé. Et puis, dans l'événement, on presque tout fallait bêtir, même un stade des martyrs. Ambassi a été raté. Vous comprenez? Alors, critique, on a tout ça, on a autour de la musique, on a fallu. Et comme il a rabango. Toki Arena, pas d'opportunité. Soit au Bini, soit au Télémi. Mais occasion au Yemba et Zaté. Fallu préférer inviter d'autres artistes, étrangers, bah Yemba, bah ça là, spectacle, bah événement. Mais ses propres poulains, à Tibango, en quarantaine. Donc tout ça, bah critique, tout est travers, bah musicien. Le Lambassé à Longwe, ça étonne le monde. Mais vous serez surpris avant peut-être fin de l'année, deux, trois départs encore et ça m'a pas fallu. Parce que d'après les rumeurs que bah musicien presque belé, bah l'ingi bah longo longo na bango. Parce que mon tante le baraque, na art faut éviter égoïsme, donner la chance à tout le monde. Monto ayebi koyimba bienté, pesa eton, former, conseiller, orienter, bah mat sa niveau. Tu te rappelles encore une fois Ambassi face à Smoke, je crois. Smoke Mamba. Smoke. Voilà, donc il a été humilié et cette vidéo a fait, je dirais, les tours de TikTok, réseaux sociaux. Et tout ça, Azamoutou, a revivre dans l'humiliation. Donc il s'est décidé maintenant autrement à embrasser carrière en solo. On attend que son frère n'a pas essayé beaucoup de courage. Mais Azala a précédé son album. Azala a précédé à sa moi de titres. Moi single, mais plus à s'attacher à un bon chanteur, bon orienté, parce que c'est comment dirais-je, l'appétit vient en mangeant. Donc il doit forger pour que après ça soit quand même ma couleur m'aura bien. Donc c'est un peu ça. Ok, Ambassi, bonjour, bonne chance. Hein. Les victimes, ils ont un orchestre d'accompagnement. Hein. Ils avaient Babayan au orchestre, je peux dire. Ils ont équipe d'accompagnement, je peux dire. Mais c'est ce que nous connaissons tous. Hein. Oui. Voilà. Donc, c'est normal, ils ont à faire à la carrière, né, solo. Nous avons un peu parlé de Maman Likamouna Misso, le 21 avril, oui. Adidas Arena, Ferregola, dans 9 jours, hein, Jérémy Lema, 9 jours, Ferregola a livré grand concert à Paris, dans Adidas Arena. Mais jusque-là, les gens se demandent comment concert Eza dans 9 jours, bah, musicien jusque-là, Bazana Kid, sans parler à bah, bureau et à Bitoumsou, mais parlons d'avoir des musiciens qui vont accompagner l'artiste. Ils sont toujours à Kinebite et Jérémy Lema. On peut dire quoi par rapport à ce sujet, voilà. Bon, toutefois, merci pour cette question. Je crois que Ferregola est un artiste international. Okay. Il est tellement grand. Il a toute une équipe managériale qui le gère. Okay. Azana bureau, Azana va conseiller, ainsi de suite. Je pense à mon humble avis, hein, je pense que un programme a été élaboré. Cela veut dire quoi? Bazaïda va contrat na Congo Brazza, le Congo d'en face. Fera livrer, je crois, deux concerts, Pointe Noire et Brazzaville. Et après, il nous a promis un concert de revoir à Kinshasa, limité. Donc, c'est déjà pour ces 13. Le programme était déjà bien élaboré. Donc, après les 13, ce qui est sûr et certain, d'ici les 15 de ces mois, l'orchestre Jet Set de Ferregola va maintenant voyager pour la France. Donc, ma rumeur au Batoubazo partagé. Ma spéculation au Batoubazo à travers les réseaux sociaux, je crois que Eza Makanisina Bango Moko. Au bureau et Sali, ils ont tout un travail bien coordonné. Déjà, il faut qu'on se le dise, parce que selon les mouvements, j'ai entendu que Ferré a obtenu plus de 80 visas. C'est à peu près 100, au fait. Selon les dires, il y a Cathy. Donc, vous serez surpris, parce que Ferré a opté quand même un style de jeu à silence. Il est le plus silencieux, il est réservé. Mais il est en train de travailler durement. Vous voyez? Donc les gens critiquent, les gens parlent. Alors que Bazoué Baté, là où les choses sont arrivées aujourd'hui, Ferré est tellement serein,
il est calme, il est concentré, il est dans la joie. Tu as l'affaire, Mikolo, parce que tout. Il ne fait que sourire. Il est très à l'aise. Donc, topé sa chance. On est devenu toujours critiqué. Dans mon assel, il contrat Mouroua. Il y a partenariat à Adidas. Ça a créé des problèmes. Non, nous devons quand même arriver à un moment donné. Il y a qu'on encourager nos artistes. Quand il fait un pas, quand il pose peut-être un acte, aux alliés peut-être salutaire, tu y es peut-être non, voilà, dans le Congo, tu apprécies faire pour une idée où il y a gagné plus d'argent avec la collaboration avec Adidas. Vous comprenez par exemple? Donc, tout comme on a point Mouroua à Bongo, qui est devenu toujours critiqué. Moi, je vous dis que d'ici les 15 de ces mois, l'orchestre de Ferrigo là va voyager pour la France. Donc, tout est bien, tout est planifié. Et le concert prévu pour le 20 et le 21, à niveau Adidas Arena, sera au rendez-vous. Donc, je crois que là, il n'y a pas de débat. On devra faire un Congo, on ne peut jamais visa parce que le contrat, l'accord avec la salle existe. Les billets sont vendus en France. Les t-shirts sont vendus en France. Alors, pour quelle raison l'ambassade ou bien Schengen et Robo et la Ferrego là-bas billets? Donc, ils ont un faux débat. Batoubaz à l'année prêt. On va se procurer les billets. D'autres qui n'ont pas encore acheté les articles parce que bientôt là-bas, c'est l'ouverture du magasin. Quel magasin? Je crois, hein. Il y a un t-shirt ou voilà, un console. Donc, tu as besoin de lancer l'opération. Procurez-vous, soyez déjà prêts. Parce que Jésus des Nuances arrive pour bientôt en France. Et le concert sera un très grand show. Tout va être vraiment émerveillé. Et pourquoi Ferrigo a choisi une stratégie à la répétition avec Kinolé qui est en Libanda? Bon, il est tombé parce qu'il y a un calendrier. Il est en Afrique. Il y avait plusieurs dates en Afrique. Il fallait quand même honorer en gros. Vous savez, la musique, c'est le business. Quand a signé le contrat des productions à Brazzaville, il a gagné quelque chose. Il a gagné beaucoup d'argent. Quand a signé le contrat na collaboration Adidas, a gagné quelque chose. Donc, quand a signé le contrat alliance ou bien, je ne sais pas, le programme na Adidas. Donc, c'est comme ça. Tout ce que l'artiste fait, le lot, est en bon. Les gens ne comprennent pas ça. Ces gens ne font plus de choses gratuitement. Donc, Ferre est bien organisé et il travaille bien. Le Lozomona aura Ferre tellement l'icolo. Depuis Anosa, Adidas Arena jusqu'à ce jour, Ferre a bloqué l'actualité. Malgré départ ambassi, malgré émission de musiciens, malgré clash de musiciens et porte-parole, Ferre demeure intact à sa position. Donc, c'est quand même quelqu'un que nous devons soutenir. Et les gens qui disent que départ en bas, c'est une petite distraction de Bagola. Bon, ils ont un feu, ils ont un buzz, ils ont une réalité. Mais Info et Adidas, ils ont pesé plus fort que News Moussousou. C'est tellement difficile parce que jour J moins 10, ça. Ferreva s'est produit dans des arenas. Jusqu'au long de la News, on a dit. Parce que bientôt, on va ouvrir encore la boutique et qu'on sort. T-shirt encore, on va sombrer. Ils ont personnalisé Ferrego là. Donc vous comprenez que Maramesa est tellement bien organisé et les gens veulent maintenant distraire les Gaulois. Moi je conseillerais les Gaulois à la focus, bien contrôlé, à l'impé à l'aise, accompagner Ferrigo là, jusqu'à l'heure arrivée à Paris. Donc c'est ça. Il y a 80 visas en lui, presque 100 visas. Mm. Hein? Parce que sur 80, c'est déjà 90, presque 100 visas. Et par rapport à tout ça. Mais c'est quoi qui s'en a? Ma mère m'a passé l'un qui s'est passé, ma mère m'a dit que je n'avais pas de maratons, je n'avais pas de maratons. La Katia m'a rouge, j'avais mis là. Chef, Nina l'a battu pour moi. Moi aussi, la télé m'a eu une année. Chef, ici là. On m'a dit beaucoup, Faka. Oyo, 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 mais non, mais ça, pour ma mère, on a dit que c'est un taco. Papa, on y a évité qu'un laboratoire, mais un missile, et c'est une mission solution, où t'as qu'à là? Ignorant, c'est là ça. On m'a dit, oh yo, signaliste suppositoire, oh yo, signaliste comprimé, on a pas hémorroïde. Voilà. On m'a dit, désostéril, oh yo, et ça pour la faiblesse sexuelle, et pour la fragilité pour la basse, et qu'on aide ma casse. Mais Borex, ce que c'est ce traitement, n'y a tout. Il y a hémorroïde. Mais si vous avez un peu de temps, vous
Bana nzoto abiso ba papa. Soki bon lingi, on mesure ma centimètre non avant bande ko pakula. Po mo koloko sisa, on ko mesure les sous, on ko mona ke box, toujours champion. On comprend? Ba question no sur la question. On consomme ici comme on soutient à Congo, quand on a un laboratoire, mais à Missine. Et puis, et ça l'a mis dans le Congo. Dans le caca à Congo. Dans le Congo, il y a Congo. Maman, n'a pas trop de cité. Et, et salami naba, pharmacien congolais, docteur Pichu Tonné, yéne savant. Mote na biso bandeko, ngai docteur Pichu Tondele, naza pharmacien ya formation, na suis formation na université à Kinshasa, na faculté à pharmacie, et puis na sali ba master na niveau ya université Marien Ngouabi, pe na niveau ya Canada, na transformation des agro ressources et puis préparation ba cosmétique, thérapeutique naturelle. Dans le laboratoire CRMTA, ou le laboratoire MMC, spécialisé dans la production de phytomédicaments, c'est-à-dire, qui est parti, il y a des états dans la maison, il y a des gens. Qui est venu au besoin de la CRMTA et subir des essais toxicologiques et puis des essais cliniques. Et ça, la différence dans la maison, dans la tradition, parce que et subir quand même, moi, des études. Et puis, qui est-ce qu'on est dans la CRMTA? Ils allaient homologuer le ministère de la Santé, c'est-à-dire qu'ils ont autorisation d'ouverture, ils ont autorisation, il y a mis sur le marché, le niveau, il y a Mboka, et puis les bandes, il y a Mboka. Mais qui est-ce qu'on est en train de produire la CRMTA? Et puis, pour le moment, dans n'importe quel médecin partout à travers le monde. Voilà la différence pour les autres, c'est la mort de Bissot, dans la tradition thérapeute ou la naturothérapeute. Qui a dit que bandoule kozonga te chez Djonga? Chez Djonga 3 a zongeli baz na ye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ntule na niveau ya 2 fois te boye bake bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te. Chez Djonga 3 awa chaque weekend bilenge zongi ya ndule a partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya bandoule bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir de 20h jusqu'à l'aube. Et samedi, Bokozwa CNN Alligator, Nabaninga tout awa, Bokosepe la jolie qui toko. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Et dimanche, Sombele Soukabisanga, Bokozwa Nokolias, Emel alias de Mingongo, La Voix qui cloche, et Longona Wenge, Poussana Tovanda, en matinée live, Oyo Eko Banda, à partir de 18h, Tina minuit. Kasi, Tunangai Nini, Kaka, ceux qui aimaient la Silesi, Mbalamoko Night Club, To Boîte et Fungwami, à partir de minuit. Tiba 5h avec DJ Bobo. Oyo, a kosepele sabino na bandoule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Tchonga. Futur. Nous te reçons la 50 boîte. Le tata King, c'est John Masker. Chez Djonga Twanga Nantaba, et Zouami na adresse Oyo. Noisy le sec, Nassime McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, Yangonde Zali mo boko y ambiance, nakati à Paris, pe na France mo Bimba. Il y a des gens qui disent que non, Ferrego là, il a demandé des 1500 dollars, dans ma chronique, cœur, premier maman, on a pour tout. Ça en tout cas, on a eu qui a monté 2500 dollars parce que des gars, maillot à un visa, baba c'est bien bon côté. Donc, je crois que Ferrego là, un grand leader, il a tout un bureau. S'il veut en tout cas ramener les chroniqueurs de Kinshasa vers la France, il va les faire en un clin d'œil au salon. Ce n'est pas à nous de l'obliger et d'en parler à tout moment qu'il faut pas qu'il y ait un poto, non. Il y a un temps pour toutes choses. La patience aussi est payée. D'abord, quand le cœur tout bas, il peut-être va ça, mais qu'il est pas même la poteau. C'est pas ça l'idéal. Travailler dans le silence, rester focus, rester calme, c'est faire rêver, ramener les journalistes
dans le concert de Adidas Arena. Il va sélectionner quelques-uns. Parce qu'il y a aussi plusieurs productions. N'oublie pas qu'il y a moins de jeunes à Genève Arena. C'est encore après quelques mois. Et peut-être aussi dans le mois de décembre, Ferré devrait aussi jouer un grand stade en Europe. Vous comprenez? Donc, la production est belle, la chroniqueur est à la calme. Va perdre le contrôle. Ce qui a mis à Kéi au Tikali, continuer le travail. Donc, il y a un peu de temps pour avoir un visa. Apparemment, on connaît qu'un réviseur va travailler pour avoir un visa. Parce que, il faut rigoler ça comme Fali, pourquoi? Non, non, c'est impossible. Fali a sa manière de voir les choses. Fali l'a fait avec plusieurs personnes, mais au moins après, ça lui a coûté son honneur. Bah tout va finir, bah diminuer et tout ça aussi pas bien. Donc Ferré peut aussi le faire, mais à sa manière. Il peut choisir 4, 5, 6, c'est bon. 2, 3 qui sont polis, qui sont stables, qui sont calmes. On ne peut pas ramasser tout le monde aussi. Parce que demain, ça risque encore de retourner contre vous-même. Parce que Congolais a un peu compliqué. Trop bon, trop couillon. Et on peut vous aider comme ça après. Si j'ai des insultes qu'on sort, Ferré, Azamouto, Azara, trop réservé. Il est tellement timide, mais il est professionnel. Il est calme, il aime les gens de loin, il considère les gens. Donc, tout ce qui a fait rigolo, à sa boulot, n'est pas lingi, n'est pas yébi. Tout le monde a cette impression qu'il faut chroniquer, qu'il n'est pas caca. Apparemment, c'est la pression, c'est ça, c'est le moment ici. Oui, comme il aura la pression. Tant que ça qui est content, c'est parce que il faut même se chroniquer. Parce qu'il fait rigolo et son groupe. Vous comprenez? Parce qu'il fait rigolo et son groupe, plus les chroniqueurs, non. Bah ça est pression t'es. Si fallait la faire, ça style il fallait aussi la bande, la petite bandale, n'ayez la bango. Mais je vous dis qu'il y aura un moment Ferré Gola va choisir ses, en fait ses vrais petits. Oh bah ok poto. Parce qu'apparemment il belé bayana quand pour na. Il belé bayana bah intérêt na bah profit. Ça aussi ce n'est pas du tout un idéal pour le travail. Merci beaucoup. Ok, merci cher Emile Wemba. Nous attendons déjà vers chaud, hein? Tellement chaud, tellement très chaud, qui chasse la tête au pile la moto. Mais ton message en haut quand même. En tout cas, nous sommes presque à la fin de cette émission. Je ne sais pas, Jérémie Wemba. Les concerts Adidas Arena, il y aura bel et bien le 20 et le 21 avril na Arena. C'est rigolo. Je sais pas. Surprise, parce qu'on a vu, il a quand même marqué de ses invités, il a quand même appelé non, les affiches. Les invités ne sont pas dévoilés. Au moins, il y a plus fanatique. Okay. De la même manière, il s'est procuré tenue, t-shirt Adidas sans mot d'ordre Ferré. Il y a une affiche invité. Les invités ne sont pas encore annoncés officiellement. Okay. Il y aura des surprises. Ce qui est bien, Somba Bino le 20, Somba Péa le 21, car on ne sait jamais. Invité aux années 20, tôt le 21. Okay. Donc il y aura des surprises pareilles. Donc après, si on a un véritable amour à bonne musique, ou les gars fait rigolo, ils ont deux journées. Au procurer bien où il y a le 20, au réserver pour le 21. Tu viens le 20 observer qui vont jouer, il y aura qui et qui, et tu rentres dans l'esprit en sous le 21, au moins qui seront là. Donc les invités là, ce sont que ma fan des ma fiche ouais. Ils ont ma fiche officielle. Ils ont ma fan, ils ont leurs propositions, leurs idées, leurs points de vue. Et voilà donc, mais officiellement, Ferré Gola n'a pas encore fait une sortie médiatique concernant invité, concernant le déroulement et événements ainsi de suite. Donc Ferré Tiki ma fan va proposer, va payer sa idée. Et c'est comme ça l'ambiance en fait. Mais officiel, c'est si c'est vrai. Il y aura des invités de marque au Bako défilé jour il y a concert, il y a Adidas Arena. Merci Jérémy Lemba et les Ngakoro Télévision. Là, c'était Jérémy Lemba sur vos écrans. À mon de la fin, il y a Michel Lelo Tokabwana. Michel, parce voilà. Que hein, il fait tellement chaud, on doit aller se reposer. Alors, merci à vous pour cette invitation. Merci à tous les amis qui nous captent de partout. Le vieux Thierry, capitaine Mobali et maman Gina Mianda. Depuis Montréal, au niveau du Canada. Je n'oublierai jamais les célèbres Dienzundu na Washington. Maître Siza Sukama, puissance Amikili. Je pense aussi à Sema Mayasi, femme légitime à Jansi Mayasi, Forza Italia. Et enfin, Mimi Ndoumé, na Moshing Laba. Mimi Abandoumé, femme leader. Nous sommes de cœur avec toi. En tout cas, vous êtes tellement ébélé. Le président Pedro Moutou, leader à jeunesse, association main dans la main depuis la ville Fontaine aussi partout en France.
y a le Zombala de Madrid, bateau tout balingrabiso. En tout cas, demeurons ensemble pour de vrai. Quant à moi, nous sommes là. Le travail continue. Je vous salue de partout, Botalibiso. À tous les mélomanes de la bonne musique, je vous salue. Pour l'ambassi, beaucoup de courage. C'est vrai, tu n'as pas encore le niveau aujourd'hui, mais tu peux encore forger. Tu peux encore forger pour que pour atteindre les niveaux moyens. Parce que être rumbiste n'est pas une chose facile. Faire la rumba, pour faire la rumba, il faut songer à ces trois éléments. La voix, la mélodie, la guitare. Donc, Ambassi doit remplir ces trois critères pour que a réussir carrière dans solo. Soit l'ingang comme le roi Rubino, abe taraba coupé décalé, ça c'est facile. Mais rumba, je vous dis, ils ont la norme, ils ont la principe. Alors, ils doivent maintenant s'entourer des génies pour que à apprendre. Il n'est jamais été tard pour apprendre. Donc, il n'est jamais été trop tard pour apprendre. Donc il est là. T'as plus de chance naï. Et voilà, bon vent. Merci à toi, Mélodie de la Presse. Okay, merci Jérémy Lemba. En tout cas, je dirais un grand merci à Bonetou Balanda Kibiso et pourquoi pas à celui-là qu'on appelle Fanny Mwambu hein, depuis Montréal, la maman de trois, Motema Docta, ma gros bisou là où place aux alliés. Pourquoi pas dire un grand merci à toi, Spani Mwambu. Merci hein? Aussi, merci aussi à Makanaki de Lucerne. Makanaki de Lucerne, il y a maman Brigitte Seyati Chimbi depuis Suisse-Irlande. Le vieux Makanaki de Lucerne est très puissant. Merci beaucoup. Ok, pourquoi pas dire un grand merci à toi. Jack, Spani Mwambu depuis boss, Chicago. Le boss des États-Unis. Le boss est Jack Sobanoka. Ok. Le boss est Jack Sobanoka. Un homme très silencieux. On est de cœur avec vous. Ok. Mmh.